fait une saignée tout le long. Plus d'essence. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est ça, pour faire mon signe de bonjour là. Les tuites tronçonneuses. Vous avez deviné, vous avez vu le titre, on se retrouve pour faire mon sport préféré qui est le bois. Là, on commence par attiboiser un seul pleureur à la maison familiale et après demain on va dans un champ continuer le bois. Let's go. Les petits gants, le skema. Let's go. On va y venir au petit à petit, de l'autre sens. C'est pratique. Hop. Avec le godet croco, ça me fait une barrière de sécurité. Je suis encagé là-dedans. Je suis pas mal. Salut la tronçonneuse! J'ai coincé la tronçonneuse, j'ai essayé de couper ça intelligemment, faire une première entaille par le dessous pour que la branche tombe dans le sens où je veux qu'elle tombe. Sauf que c'est toujours, on est toujours trop gourmand et du coup bah ça vient se refermer sur la tronçonneuse, ça la coince. Chaque fois je me fais avoir. Bisous style. Je vais chercher une hache des coins, je vais entailler à la hache. Et le père qui se moque, il dit pas doué, il se moque de moi là. Let's go! Bah, on peut faire celle-là, en bas, et après on fera le tour pour le reste. Et ouais, les amis, à poil le sol pleureur. Comme dit mon oncle, il va pas beaucoup pleurer cet été. Merci, chef! Bon, les amis, il commence à faire nuit. Ça sert à rien de bosser, c'est le moment où tu te blesses quand il fait nuit, surtout sur ce genre de travail. On rentre et on se retrouve demain pour une grosse journée bois dans un champ, un arbre qui est tombé. Donc il y a à débiter, on va fendre du bois, ça va être... Les amis, on se retrouve exactement au même endroit où on avait essayé la tronçonneuse style au mois de juin, au printemps dernier. Donc en fait ici, si vous vous rappelez bien, j'avais débité toute une branche qui était tombée de ces arbres-là. Et aussi, il y avait un arbre, celui-ci, qui était tombé il y a plusieurs années, qu'on a un peu débité. Bref, ici c'est une ancienne mare. Et j'avais dit que je viendrais récupérer le bois entre les deux cultures. Vous voyez que je ne l'ai pas fait entre les deux cultures puisque là il y a du blé de semé. Bref, on s'est dit qu'on fera ça cet hiver, on a le temps, il fait froid, c'est un temps à faire du bois. Moi j'adore ça. Donc là voilà, on a fait un petit attirail. On a emmené la remorque avec la voiture forcément pour pas emmener la remorque sur la route avec le quad. Une fois qu'on arrive dans le chemin, on dételle la remorque, on attelle sur le quad, on remplit de bois. Donc là on va tout débiter à la main. Donc on vient pas avec un tracteur et une fendeuse. On va fendre à la main, remplir la remorque et rentrer à la maison avec la voiture. Donc voilà, le quad fait juste l'intendance dans le champ. Bref, on a tout préparé comme vous avez vu, la belle tronçonneuse, le mélange. On va faire le plein. Donc oui, là c'est du mélange 2%. Qu'est-ce qu'un mélange 2%? En fait c'est une bouillie à 98% d'essence 95 sans plomb et 2% d'huile de thym. En fait, l'huile va tout simplement servir à lubrifier le moteur. Contrairement à un moteur de voiture où le circuit de lubrification d'huile est indépendant du circuit de carburant, que les deux ne se mélangent pas pour bien faire la différence. Là, sur un moteur de temps, tout est mélangé dans la bouillie essence-huile
et tout est lubrifié à l'explosion. Bref, on prépare tout ça. J'ai emmené les merlins et les haches. Alors, pourquoi j'ai deux haches qui se ressemblent beaucoup? Une styline qui est un peu moitié style. Je vais vous expliquer l'anecdote juste après quand je me mettrai à fendre. Oui, j'ai cassé une hache. Enfin, je vous explique après. Oh, vache. Ah, vache. Non, mais on va faire un support pour fendre le bois. Ouais. Pour fendre le bois, je vais faire un support, en gros. Là, regardez, il y a l'ancienne souche avec un tronc assez épais au bout. Je vais couper ça et ça va nous faire une table pour fendre le bois. Bah, mais ouais, mais l'huile de chêne. Donc, on met aussi de l'huile pour lubrifier la chaîne de la tronçonneuse. À chaque fois que la chaîne tourne, bah, y a un petit circuit qui en permanence envoie de l'huile pour pas que ça surchauffe, pour que pas qu'il y ait trop de friction, etc. Et à chaque fois, j'en mets partout, à chaque fois. Bon bah, on va vite avoir chaud, on va vite enlever des épaisseurs. La table pour fendre. Well, if Chattanooga boy had a dollar and a dime, he'd head out for Nashville on the Hard Rock Line. I'm working on that old steamboat and learned to ride and steam. When my feet had touched dry land, how happy I did feel. Eh bien donc, le père a déjà bien travaillé pendant que je découpe un peu à droite à gauche, il remplit, impeccable, et je commence déjà à me dessaper. Puis il commence à faire chaud là, il est 11h30, et là on a remis encore les bretelles les poteaux. Et attendez, je vais vous parler 5 minutes de la chemise que je porte. Là j'ai une chemise à ne pas piquer des hannetons. Donc là, c'est la marque Chaloupé. Vous en parlez, c'est pas en partenariat, arrêtez que je crois que je fais de la pub. Oui, je fais de la pub, mais c'est pour un poteau. J'ai un pote, depuis que j'ai la primaire en fait, il a fini ses études, et il s'est lancé à créer une entreprise avec une ami à lui, donc il s'appelle Chaloupé. Chaloupé, c'est quoi? C'est tout simplement la première marque de vêtements reconditionnés. En fait, ils collectent des chemises en fin de vie, donc ça c'est une chemise, ils les trient selon leurs défauts et en font des tri-chemises. Si vous voyez bien, en fait, ma chemise elle est un peu différente parce que bah là ils ont récupéré la manche d'une chemise, qui ont racolé avec le torse d'une autre chemise, enfin bref, vous avez capté le principe quoi. Donc c'est Made in France, c'est zéro déchet, ça recycle. C'est incroyable, moi en plus j'aime bien. Je trouve là, c'est style bûcheron pour aller travailler. Elle est un peu chaude celle-là, moi j'adore. En plus elle est floquée marque A2C ici. Ils me l'ont floquée marque A2C ici. Je vous mets le lien en description pour aller sur le site. Vous pouvez aller les suivre sur leur réseau TikTok et Instagram, où ils font un peu de contenu. N'hésitez pas à aller voir, c'est bien, c'est français et c'est écologique. Donc bénef hein. Bref, moi je reprends le chantier tout de suite, avant trop de me refroidir, parce que ça c'est le coup. On s'arrête, on discute, on est bien chaud, sauf qu'après on se refroidit. Peut-être que si je continue à avoir chaud, on fera tomber la chemise. Je pensais que j'allais gadouiller. Pas du tout. La mare est à sec et du coup, fin de semaine, on va pouvoir aller détruire les couverts végétaux, donc ce que vous avez déjà vu dans la vidéo la semaine précédente normalement. Et mon père, il a une petite cèpe là, il est content avec ça. Là, il aime bien, il a ça accroché. Il fait les ronces un peu pour qu'on puisse passer. Et là, on va ressortir notre table. Et puis là-haut, il y a plein de branches cassées, comme dit mon père. Là, enfin. Les prochaines tempêtes, je pense que ça va retomber quoi. Cet été, on avait une grosse tempête. Les tempêtes, l'hiver, ça va encore. Mais l'été, comme il y a plein de feuilles sur les arbres, bah ça fait beaucoup plus de prise au vent, de résistance. Et du coup, bah ça force et ça casse là. Non, bah, deux, c'est pas lourd. Ça roule là. Ah, ça roule. Allez. C'est ovale. Ah. Et voilà la table. Voilà. Tu veux qu'on rentre? Bah, il est ouais. Déjà... On va rentrer, il est l'heure de manger. Et avant de partir, je vais vous expliquer 55. L'anecdote de ça. Si vous vous rappelez, sur ma vidéo du nettoyeur haute pression style, il m'avait envoyé en même temps une hache, un merlin. Enfin, c'est une hache, moi je pensais que c'était un merlin. Enfin. Et du coup, dans cette vidéo, je m'amusais de manière spontanée à aller fendre du bois, un peu comme si que j'étais fou quoi. Donc je fends du bois, et à un moment, bah, ça je l'ai coupé à la vidéo. Je fendais le bois, je me suis tellement déchaîné que le manche a éclaté. Ça a cassé tout ici, alors pourtant c'est du bois assez dur quoi. Du coup bah forcément je l'ai pas mis en vidéo parce que ça fait pas forcément de la bonne pub. Mais après m'être renseigné en fait, c'est tout simplement pas des merlins. Ce sont des haches. Donc
c'est pas fait pour non plus couper des gros trucs. On peut couper des petits bio comme ça, mais quand c'est des trucs assez raides, là en l'occurrence c'était un truc où il y avait un nœud, donc c'était trop dur à couper, ça a cassé le manche quoi. Faudrait plutôt des trucs en plastique ou pas forcément en bois comme ça quoi. Du coup, bah là ça avait cassé. Du coup, style m'ont renvoyé un merlin comme c'était cassé. Et avec la partie, le manche qui était cassé, mon père a racheté un manche et a refait, a repris la tête de la hache et a remis un nouveau manche. Trop fort le type en fait, trop fort. Bon allez, on rentre. Donc je ramène avec le quad la remorque à la voiture et on rentre en voiture. C'est lourd. Je vais mettre le 4 roues motrices, je vais pas escarter le champ. C'est bon, c'est parti, let's go! C'est bon. La remorque est bien équilibrée, du coup ça se dételle. On peut croire qu'il y aura trop de poids qu'on n'arrivera jamais à soulever, mais comme le bois est équilibré partout, en fait, c'est fait comme si qu'il n'y avait rien dedans. La remorque! Et voilà! Vidé, c'est reparti. De toute façon, ça en fait, c'est seulement du bois de chauffage, c'est pour nous chauffer. Ça tombe bien parce que, vu les prix de l'énergie en ce moment, on est bien content d'avoir des arbres qui tombent dans les champs et qui puissent nous chauffer. Donc, ce bois, on le met dans le fond du tas, comme ça, le temps qu'on y arrive, il va se passer 1-2 ans et du coup, bah, il sera sec. Voilà, il est à l'abri. Allez hop, c'est reparti. On remet les gants et il n'y a plus qu'à. Et bah une corvée en plus de fête. Donc on a rempli une remorque. J'ai bien dégagé mine de rien, c'était un peu le bronx ici. Je range ici le bois à fendre, il y en a encore un peu là. Et puis on continue à avancer petit à petit là. Il y a encore un beau tronc par là-bas. Il y a encore du boulot, il y a encore du boulot. Je pense qu'après on fait encore une remorque et puis ça sera bon pour aujourd'hui. De toute façon après il fait nuit quand même encore rapidement, même si on gagne énormément je trouve le soir. On en gagne pas mal. On va vider ça et après séance de fendage. On va fendre du bois. Bon, on arrête là pour le moment, je vais pas refaire le plein. J'adore gueuler dans les champs comme ça, tu sais, quand tu sais que t'es tout seul au milieu de la campagne, tu hurles comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Place aux choses sérieuses là, j'ai enlevé une épaisseur, j'ai trop chaud. Et là, on va avoir chaud le petit pote là. On arrive à ma partie préférée dans le bois, qui est fendre. On va s'échauffer. Allez hop, il y a juste à bien viser. Et en un coup, c'est bon. On enchaîne. Bon les amis, c'est pas si compliqué que ça à fendre, hein. C'est pas... y a pas besoin de force en soi, faut taper au bon endroit avec la bonne intensité. Il y a juste à lever en l'air le merlin et laisser retomber à bien accompagner. Rien de bien compliqué, bon, sauf pour ce genre de bio là qui est bien plus gros qu'on fera après à la fin là. Où là oui quand même, faut donner un peu plus d'intensité quoi. Les amis, il ne reste plus que ça à fendre, on s'y met. Net,
Je fais une saignée tout le long. Et voilà. Voilà, ça va pas. T'arrives à suivre ? Impeccable. On peut dire que la séance de sport est faite là. Bon les amis, on plie bagage, on a tout ramené. Moi je vais, ah oui, je vais rentrer avec le quad aussi, donc j'ai le casque dans la voiture. Donc voilà, c'était une courte vidéo, c'était, je pense que je vais la nommer 24 heures de bois avec moi, ou bois, bois, bois. C'était une vidéo que sur une journée, je pense que j'ai pris assez de plans pour vous faire une vidéo assez longue. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, toujours soutenir la chaîne, même si aujourd'hui on est arrivé à quand même un niveau stratosphérique du nombre d'abonnés, c'est quand même incroyable. Mais on peut essayer de faire plus, non? Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à dans une prochaine.